Bonsoir la Guinée, ça va? Bonsoir Conakry, ça va? En fait, je suis content de vous voir. Quand je vous vois, c'est beau comme ça, là, ça me plaît. Parce qu'il y a un proverbe de chez nous qui dit, un garçon qui n'a pas d'argent a les mêmes problèmes qu'une femme qui a laissé tomber. Les deux ont besoin de soutien. Est-ce que c'est pas vrai? Alors, faire du bruit, c'est vrai. Merci du soutien que vous apportez aux artistes. Quand vous venez comme ça, ça nous enchaîne. Les gens vont prendre un beau cadre, une belle salle. Si vous ne venez pas, c'est rien. C'est comme une femme qui est belle. Elle a de belles jambes. Elle a un beau teint, belle fesse, beau sein, mais qui a un mauvais visage. C'est comme un jour férié qui tombe sur dimanche. On ne peut pas profiter. Dimanche même est déjà férié. Ou bien, c'est pas vrai? D'abord, mais est-ce que les femmes sont là? Est-ce que les belles femmes guinéennes sont là? Oui, on m'a dit que la Guinée, c'est les belles femmes. La femme en Guinée, vous êtes belle. Et le mois de mars, c'est le mois des... Le mois de mars, c'est le mois des... Excusez-moi, je vais parler aux VIP. Voilà, il faut qu'on respecte les femmes, il faut qu'on soutienne les femmes, il faut qu'on aide les femmes, il faut qu'on pousse les femmes, il faut qu'on développe avec les femmes. Parce que les femmes sont gentilles. Est-ce qu'il y a les femmes ici ce soir? Au nom de Dieu, si les femmes seulement étaient présidentes dans ce monde, si les femmes seulement étaient chefs d'État dans ce monde, il n'y allait jamais avoir de guerre. Il allait juste avoir des États qui ne s'adressaient pas la parole. C'est les petits tchourous diplomatiques. C'est les petits... Quel bon pays même. Aïe, les femmes sont trop gentilles. Femmes et bien. Les femmes, soyez vigilantes. Ouvrez vos yeux. On est en 2018. Mars, là, c'est pour vous. Vous avez compris? Vous avez compris? Tu es une femme, tu es dans un foyer. Les parents de ton mari t'aiment. Et ton mari même t'aime pas. Ma chérie, tu n'es pas dans le foyer, tu es dans le centre d'accueil. Il faut sortir vite. Les femmes, réveillez-vous. Les femmes de Conakry, réveillez-vous. Je vais vous donner tous les secrets le soir là. Attends, il y a ma soeur un peu devant. De toute façon, ça est là. Ça là, c'est le garçon qui a placé. Il veut qu'il regarde tomber. Oui, femme souffre à Conakry. Garçon de Conakry, c'est pas un moustique. Tant qu'il ne t'a pas encore piqué, il va toujours chanter dans tes oreilles. Et les femmes, tu te retrouves dedans. Les femmes de Conakry, soyez vigilantes. Nous, on a vécu ça, Abidjan finit fatigué. On est à un autre niveau. Abidjan, tu vas breaker femme et puis tu veux faire poème. Et tu regardes comme ça. Mon ami, il ne savait pas, il est venu breaker la fille. Et puis tu attends, bébé, je ne comprends pas anglais, mais je peux te dire I love you. Je ne connais rien dans mathématiques, mais tu comptes pour moi. Je ne connais rien en géographie, mais ta place est dans mon cœur. Elle aussi, elle a regardé, elle dit, moi-même, je ne lance pas Cory, mais c'est que tu souffres. Les femmes de Conakry, soyez vigilantes. Je vous apporte la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et les femmes de Conakry, ce qui est sûr, Dieu va faire, vous allez vous marier. Mais soyez vigilantes avant de marier. Regardez à Conakry ici. Tous les garçons qui sont en veste ne sont pas les boss. Faites attention, là, il y a témoin de Jéhovah aussi devant. Et là, ils ont fini à un veste. Et Conakry. Derrière chaque garçon mal habillé se trouve une femme qui est fatiguée de parler. Les femmes souffrent à Conakry. Ah, elle applaudit, elles savent que c'est ça. C'est pas vrai? Aïe, c'est pas vrai? Les garçons, ne vous inquiétez pas, hein, je viens après. Je commence là-bas d'abord et puis je vais venir. Aïe, vous me connaissez? Quand je suis venu à Conakry, tu sais, quand tu viens quelque part, il faut t'intégrer. C'est-à-dire, si tes parents, tes frères t'accueillent, il faut rentrer pour voir. Mais avant de rentrer, je voulais demander qui est qui ce soir d'abord, avant de voir. Ouh, le portable qui me flash. Ça, mon frère, ça là, c'est pas flash, c'est projecteur. les bonbons téléphones là, quand ils te font photo, tu dis, tiens, try. Mais les téléphones chinois là, Shintok, quand tu fais photo, André un jus, tu dis, blau. Quand on te fait photo, ton corps te fait mal comme ça. Tu sens les bruits, tu sens les frappes sur ton corps. Est-ce que ce soir, il y a quel pays ici ce soir? Est-ce que ce soir,
Il y a la Guinée? Non, non, pas d'abord. Attends, je vais commencer par un autre pays. Est-ce que ce soir, il y a la Côte d'Ivoire? Oui. Eh, les Ivoiriens, on est partout sauf à la Coupe du Monde. Les Guinéens aussi, ils ne sont pas à la Coupe du Monde. Ils ont pris un nouvel entraîneur, le nom d'entraîneur, là même c'est grave. Il s'appelle Paul Put. C'est que les joueurs, même c'est Djangou. Vous aussi. Tranquille. Ah. Est-ce que vous assurez que la Coupe d'Afrique, vous cherchez? Paul Put. Bon, c'est pas grave. Vous avez déjà pris, on n'a qu'à avancer. C'est comme on dit Afrique, berceau de l'humanité. Vous connaissez berceau, chacun vient et se lave dedans. France vient et se lave. États-Unis vient et se lave. Non, on fait comment c'est berceau. Prenez pour vous. Eh Dieu, non. Oui. J'ai demandé s'il y a les Ivoiriens ici ce soir. Mais est-ce qu'il y a des Guinéens ici ce soir? Ça ne va pas m'étonner. Quand tu viens d'un pays, il faut t'intégrer pour voir. Moi, je suis venu, j'ai cru que j'avais des amis ici. Mamadou Tob. Hein? Mamadou Tob, il me prend. Il m'envoie dans le quartier. Il y a quartier, puis il y a quartier ici. Moi, je ne sais pas où. Gaouke, je suis il est gros, mais il ne voit rien. Il m'envoie à Corinti. Est-ce qu'il y a le moment de Corinti ici? J'ai mangé. Vous savez ce qu'il a mangé? Macaroni. J'ai mangé jusqu'à Kenda. Bon, il faut m'envoyer un peu à Kipé, j'ai mangé poulet frites. Il m'a envoyé jusqu'à... J'ai vu Kabakoudou. Ouh, attendez, je m'assois même. Sinon, quelque chose va sortir. Il m'a envoyé jusqu'à dans les quartiers. Hein? Il y a un quartier qu'on appelle Madina. Abidjan, on a Adjamé. Ceux qui ne connaissent pas Adjamé, Adjamé, c'est un quartier où il n'y a pas d'aéroport, mais chaque jour, il y a vol. Ça y est, on te vole seulement. C'est comme chez vous ici, là, dans les entreprises. Il y a service après-vente. Mais chez nous, à Djamé, il y a service après-vol. Genre, les voleurs peuvent appeler leurs victimes pour dire « Allô, ouais, vieux père, c'est nous, on était venus t'adresser hier. Et puis, tu n'avais rien sur toi, là. Est-ce qu'on peut passer aujourd'hui ?» Bon, il n'a qu'à répondre comment. Ou bien du genre, ils vont appeler « Allô ?» Ouais, attendez, c'est nous on a volé portable. Est-ce qu'on peut avoir le chargeur? Ça ne te sert plus, il faut nous donner en même temps. À Djamé, c'est la même chose avec Madina. Madina, c'est le seul quartier à Conakry où quand il dit voler, même il vient vers toi, il dit qui m'a appelé? Sérieux, maman, je suis étranger. Je connais rien, j'ai un gros yeux, mais je ne vois pas. Il demande à Kabakoudou, tu m'envoies dans quel secteur? Il dit, tu n'as pas dit, tu veux payer portable. Allons. Voilà, nous, dans le marché, Madina, on est comme ça. Ivoirien, vous nous connaissez où? Il y a portable là dans la poche, comme ça. Et puis, il y a écouteur dessus. Ça va être dans mes oreilles. File là. Et puis, je suis en train d'écouter. Ivoirien, notre affaire d'Arafat, on ne laisse pas. Ce écouteur là est comme ça. Et puis, je suis en train d'écouter chanson d'Arafat. Il dit, marmite, assiette, cuillère, fourchette, casserole. Ils ont volé portable, mais file là seulement, ça joue. Non, voleur de Madina, ils connaissent leur travail. Gars, voleurs là, ils sont trois. Il y a un qui est parti avec le téléphone, et puis il y a deux qui font acapella dans mon oreille. Bassine, Nyanya, Konkoui. Depuis quand Arafat a changé la partie là? C'est au delà des bouches là qui m'a réveillé. Vraiment, j'ai souffert. Maman dit, ton Kabakoudou, ils sont mauvais. C'est là que je suis parti sur Pedro. Il dit, ah, lui au moins sur Pedro, ça ressemble à chez nous sans Pedro. C'est quelqu'un, il ne va pas me faire ça. Il dit, ah, wouh! Si elle savait, je ne veux pas savoir. Oui, oui. Si elle savait, il n'avait pas fait ça. Sur Pedro. Je ne manquais pas de lui, il faut que j'enlève ma veste. Sur Pedro. Sur Pedro. Lui, il habite à Kipé. On dit c'est le quartier des postes. Quartier où il y a l'argent. Là-bas, il y a un chien là. Ça mange hamburger, shawarma. Avec pizza. Bon, imaginez chien de Madina.
Lui-même, ça fait trois jours, il fait jeûne. Chien là-bas, il est comme ça. À force de réfléchir, comment elle va gagner nourriture, chien là, elle est chauve. Chien de kippé, quand il y a un voleur comme ça, quand il sort clôture, chien là, il a dit arrête. Arrête, tu vas t'attirer un procès, arrête. Arrête. Tu vas te créer des ennuis, arrête, tu arrêtes. Chien de Madina. Quand il t'a rien sauté, même lui, il est là. Et c'est lui là, il sait où il s'en va. C'est pas pour... C'est parce que ce soir, si je vous parle, vous allez penser que c'est faux. Mais avant de conclure, il faut que j'appelle un garçon de Conakry et puis une fille de Conakry. Si ils peuvent venir sur ce podium, ou bien s'ils ne peuvent pas venir, moi-même, je descends rapidement pour les voir. On va valider en même temps pour partir. Est-ce qu'il y a une gauche choc de Conakry qui peut monter ici? Une gauche choc de Conakry. S'il vous plaît, rapidement, pardon, on n'a pas. Ah, un garçon de Conakry, viens, chérie, viens. Fais tout possible, il ne faut pas tomber dans la piscine comme on a matoulé. Le maître nageur se repose, lui, c'est fini. Viens, viens, viens. Viens, ma chérie, viens, viens. Allez, garçon, voilà, Coco, viens applaudir pour elle. S'il te plaît, passe comme ça et puis monte. On a besoin d'un homme aussi. Ah, putain, on ne marie pas une femme parce qu'elle est belle. Il faut marier une femme parce qu'elle s'est préparée. Là, la beauté passe, mais la fin reste. Marier une belle femme, c'est comme faire un champ de maïs en bordure de route. Ils vont voler dedans. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien, toi? Oui, ça va bien, mon chéri. Tu t'appelles comment? Je suis Madame Soirée. Ah, ça voulait, Madame Soirée. Il ne faut pas dire. Non, vrai, mademoiselle, tu es venue, madame. Comme tu es déjà arrivé, on va faire comment? On va essayer, c'est amusant. Mais si tu es en gérer aussi, on s'en va avec. Mon frère, c'est mademoiselle. Eh, pardon, c'est garçon. Ah, maintenant, il y a un garçon de sexe féminin. Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien. C'est quel nom? J'ai quitté Mohamed. Tu as quitté Mohamed, d'accord. Hé, mon frère, pardon. Où on est ici à Mariador Palace là? Si, il y a les vieilles puis les chocopates. Il y a un choco où encore? Excuse-moi, la galanterie, le mois de mars oblige, je dois parler à la femme d'abord, et puis je te parle. Et bien, tu veux que je te parle d'abord, et puis je parle à la femme. Je parle à qui? Je parle à la femme. D'accord. Alors, tu te patientes, hein, t'inquiète, hein? Alors, madame Diakité, bonsoir, ça va? Madame Soirée, s'il vous plaît. Ah, d'accord, excuse-moi, la rail, le rail, au train va passer. Madame Soirée. Ok, merci beaucoup. Madame Soirée, devant toutes les filles guinéennes qui sont là, qui auraient pu être là, qui vont voir la vidéo, devant tout le monde, vous choisissez une seule réponse. Vous n'avez pas le droit de dire non. Vous choisissez une réponse dans cette question, s'il vous plaît. Dans le public, dans la vie, partout où que vous soyez, en temps normal, en Guinée, à Conakry ici, entre un homme qui vous trompe et un homme avare, vous préférez qui? Vous préférez? Franchement, je préfère un homme qui me trompe. Un homme qui vous trompe en se cachant, voilà. Ça veut dire qu'un homme qui vous trompe, c'est mieux que ce qui est celui qui ne faut pas, il va être avare. Mais si tu te trompes, même qui te donne quelque chose, ça va placer ton cœur. Non, tu as bien fait, vraiment, tu es une 10. Applaudissez pour elle, ma chérie. Tromper est mieux. Il y a des gars qu'on a pris, même ici, là, il te trompe et puis il te donne rien. Ils sont avares, donc tromper est mieux. Il y a une qui allait tromper hier son gars, elle allait tromper son mari. Avec son gars à l'hôtel, elle allait tromper son mari. À l'entrée de l'hôtel, net, elle voit son mari qui soit infâme. Elle a dit à son gars, bébé, attends-moi ici. Je vais gérer un nyaga shop. Elle va vers son mari, elle dit, tu vois, quand il te dit un jour, il est attrapé là, tu vois. Je suis venu à un témoin. Quand le gars voulait parler, elle dit, tais-toi, tu es témoin. Ma chérie, tromper est mieux. Hein. Tromper est mieux, mais ne bouge pas, hein. Ne bouge pas, on n'a pas encore fini. Voilà, ne bouge pas, on n'a pas encore fini. Bonsoir, tu m'avais dit quel nom déjà? Diakité Mohamed. Diakité Momo. Il n'y a pas l'homme. Ouais, c'est même chose là, Momo. Ouais, Mohamed, au lieu d'allonger, il faut faire ça, Momo. Voilà, ça dit, c'est Choco, quoi. Voilà, c'est chez nous là-bas. On va envoyer ici, puis après. Ça va? Non, on va envoyer. Ça va? Ah oui, ça va, ça va. Momo, j'ai demandé à la femme là tout de suite.
entre un homme qui la trompe et puis un homme avare, elle préfère qui? Elle dit, elle préfère un homme qui la trompe. Ça veut dire que garçon de Guinée, là, vous devez travailler à elle l'argent. Si femme travaille 3 fois, vous devez travailler 8 fois. Parce que garçon travaille au soleil, femme mange à l'ombre. Tellement garçon souffre, même dans Tabaski, c'est mouton garçon tue. Qui va tuer mouton femme? Tout le monde veut tuer bélier. Momo, on lui a demandé entre un garçon qui la trompe et un garçon avare. Il préfère un garçon qui la trompe. Toi, en tant que garçon, tu vois tes camarades qui sont là, qui auraient pu être là, qui vont voir la vidéo. Et derrière Akumulakri, tu représentes tous les hommes qui sont là. Momo, entre une femme qui te trompe et puis une femme qui te frappe, tu préfères qui? Tu penses que je suis bête et puis elle pose la même question. Entre femme qui te trompe et puis femme qui te frappe. Momo, il faut réfléchir, prends ton temps. Une femme qui te trompe et puis femme qui te frappe. Momo, tu préfères? Les vraies femmes qui te frappent. Po. Est-ce que les garçons vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Momo, bon, on va lui demander pourquoi. On va lui demander pourquoi. Momo, pourquoi tu préfères une femme qui te frappe? Parce qu'un jour, la tendance va changer. C'est moi qui vais la frapper. Mais à quel moment tu vas la frapper? Momo, tu es mon gars, je suis garçon, moi-même là, je ne peux pas... Comment? Le jour que j'ai beaucoup mangé là. Momo, viens, tu es mon camarade garçon. Tu sais, dans la vie, il ne faut pas laisser femme va te frapper. C'est cette femme tes moyens là, c'est pas bon. Elle peut même te tromper, tu parles, elle te frappe. De toute façon, si femme t'es moins, de toute façon, tu es monté sur le podium, elle a dit, hé, hey, tu fais quoi en haut? Déjà. Il ne faut jamais laisser les femmes va te frapper. C'est pas bon. Tu as compris? Il faut la tromper un peu. Tu as compris? Applaudissez pour Momo. Merci beaucoup, Momo. Voilà, madame Diakité. Hé, hey, madame Soiré, hé, hey, il était déjà donné 3 gars. Oui, oh, il a trop. Comment? Il a beaucoup souffert pour m'avoir. Donc, s'il vous plaît, ne badinez pas avec ce nom. Hey, il a trop souffert pour m'avoir. Ouais, ouais, c'est vrai, vous avez raison. Vous savez comment... Quand vous dites qu'il a trop souffert, vous savez comment chez nous, Abidjan, garçon souffre pour avoir femme? Ça, je ne sais pas. D'accord, je vais vous le montrer. On fait comme quand il n'avait pas encore souffert. Voilà, mettez votre main ici. Voilà, et puis on marche. C'est pas comme les filles de Madina. Hein. On marche comme les filles d'équipe. Voilà. Et puis il te regarde, il dit, bébé, est-ce que tu sais que je suis victime de ta jolibilité pimpante qui a fait émerger à moi ce sentiment d'amour qui somnolait dans les laves du volcan de mon sein? S'il te plaît, chérie, est-ce que je peux boire une tasse d'amour au kiosque de ton regard? Tu sais, bébé, si la pluie est pour la plante, c'est que le soleil est pour la plage. Je voudrais pour toi ce que le visa est pour les migrants. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci, Conakry, que Dieu vous garde.